28 mars 2003, 28 mars 2022, cela fait exactement 19 ans que la ville de Mounedit dans la province de la Lomami était créée par décret présidentiel numéro 043/2003. Plusieurs années passées, selon un natif et habitant de cette contrée, aucune infrastructure de base, une ville dans laquelle où les différents maires n'ont eu aucun plan de développement durant ces 19 ans, Mounedit n'a répondu qu'aux critères démographiques. Tels sont les regrets des habitants de ce coin du pays sur la situation de leur ville qui peine à décoller. Celui qui a connu la cité de Mounedit, s'il rentre aujourd'hui, il trouve la ville de Mounedit, il ne trouvera pas même qu'il y a un changement en termes d'infrastructure, en termes politiques ou en termes sociaux. Il n'y a que la démographie qui a répondu comme une limite critères d'une ville. Mais tous les autres secteurs sont vraiment en train de souffrir du marasme politique créé par les dirigeants, tant au niveau national, provincial que local. Et c'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Tant qu'au niveau national, provincial que local, il n'y avait pas eu un programme cohérent pour le développement ou le décollage de la ville. Toutes les communes, au moment où je vous parle, on a fait des semblants de construire des bicoques qui sont devenus à un certain moment en lambeaux. Nous n'avons jamais élu un gouverneur de l'UDPS, ni non plus un maire de ville de l'UDPS. Ce sont eux qui doivent définir les programmes globaux du développement de la ville. Dans un pays où la décentralisation peine à s'asseoir. De toutes les façons, parce qu'il n'y a aucune autre personne qui peut définir la politique globale du développement de la ville. Toutes les entités ont d'abord leurs propres taxes, comme une entité à part et entière. L'entité elle-même doit se prendre en charge pour voir les besoins utiles et nécessaires et répondre à ces besoins-là avant d'attendre la rétrocession.